L'auteur de ce bas-relief s'est inspiré des évangiles qui racontent la prédication de Jean le Baptiste, cousin de Jésus, annonçant la venue du Messie, devant une foule rassemblée dans le désert de Judée. Voici quelques extraits du texte de Matthieu et de Luc. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Les foules demandaient à Jean, « Que nous faut-il donc faire ?» Il leur répondait, « Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dire, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Des militaires lui demandaient, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se posaient en eux-mêmes des questions au sujet de Jean, « Ne serait-il pas le Messie ?» Jean répondit à tous, « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Ainsi, avec bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle.